Et voici, messieurs dames, nous y sommes. Donc, ouverture de Musquet de Provence, voilà, pour le repas d'Halloween 2020. Impeccable. Alors, c'est parti. Donc, ce soir, au repas, des chips faits avec une butternut, des raviolis de Musquet de Provence, une soupe de Musquet de Provence, et un dessert avec de la délicata du foot sous black. Yeah! Bon, alors, c'est parti. Alors là, le pédoncule, il a été enlevé déjà. De toute façon, c'est trop balèze, ça, je peux pas l'enlever à la main. Alors c'est pareil, hein, donc c'est un one shot. Hein. Si je bafouille, je suis désolé, mais je peux pas la recommencer une fois qu'elle est coupée, elle est coupée. Allez, c'est parti. Allez, comme chaque année, bien sûr, je vais faire ça complètement à côté. Alors la musquée de Provence, vous savez, hein, les copains, les copines, c'est une de mes préférées. Ça là-dessus, on commence à le savoir, des dieux. Voilà. Et je sais pas si elle sera assez mûre. Il y a une partie qui est bien brune. La partie que vous voyez là de votre côté. Ici c'est bien brun et puis là c'est vert. Voilà, bah, c'est comme ça, c'est tout. Avec le temps qu'on a aussi, il faut dire. Tiens, non, rien à voir avec l'ouverture de du rouge vif de l'autre fois. Donc voilà, je vais essayer de. Voyons voir si elle tient ses promesses. J'aime bien le craquement. Je sais pas si vous entendez. Voilà, donc en fait, j'ai coupé ici, là, et j'arrive là. Voilà, donc une fois de plus, comme d'habitude. Waouh, je peux vous dire que là. Hey, attendez, regardez. Non, mais c'est pareil. Chaque année, quoi. Chaque année, je suis bluffé par ce fruit, mais alors. Alors, d'une force. Voilà. Ah, c'est un peu long, hein, je suis désolé. Je vais essayer de le couper, lui, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Hein. Ah, si, si. Ah, si, si, j'y arrive. Ah, il y a une bagnole qui arrive. Ça m'énerve. Tada ! Et voilà. Attendez, je mets un peu plus de soleil. Ah, les bagnoles, je peux pas les enlever. Je suis désolé, il y a une route juste à côté, là. Regardez. Hein, c'est pas formidable ça. Ah, je peux vous dire qu'elle sent super bon. Ah ouais, déjà là, j'ai même pas besoin d'y mettre mon nez quoi. Et puis puis elle a une belle chair, bien humide, nickel et tout. Franchement, ah, c'est une tuerie cette courge. J'adore. Donc bah voilà, donc ouverture d'une musquée de Provence pour ce soir. Allez, je vous fais une bise. Rock and roll. Non, c'est rock and roll, c'est comme ça.